Pour la première fois de sa déjà longue carrière, Francis Joyon va tourner autour de la planète, non plus en solitaire comme il en a l'habitude, mais bel et bien en équipage. Un nouveau défi pour lui, alors qu'il faut aujourd'hui naviguer sous la barre des 45 jours pour remporter ce trophée Jules Verne. Mi-octobre 2015, les 4 plus gros multicoques de course au large sont amarrés le long du môle Loïc Caradec. Le surnom de mec de la voile gagné par le port de la Trinité-sur-Mer dans les années 80 retrouve ici tout son sens. Si deux d'entre eux, Sodebo et Actual, sont actuellement en piste sur la Transat Jacques Vabre, les deux autres, Idexport et Spinrip, sont tous deux en attente d'une fenêtre météo pour partir à l'assaut du fameux trophée Jules Verne. Avec ses 40 mètres de long, Spinrift est tout simplement le tenant du titre, avec un trophée remporté en 2013 sous le nom de Banque Populaire, avec Loïc Perron comme skipper. Aujourd'hui, ce splendide multicoque est aux mains de Donna Bertarelli, une des plus grosses fortunes suisses. Pour des raisons qui lui sont propres, Embrun n'a pas eu l'autorisation d'interviewer l'équipage. Le chapitre Spinrift est ainsi clos. On sait juste qu'ils partent à 14, qu'une cabine indépendante a été aménagée pour Donna et son compagnon, le skipper Yann Guichard, et puis voilà. Engagé très prochainement dans les semaines qui viennent sur ce tour du monde absolu, ce trophée Jules Verne. Juste à côté, sur le même ponton, il en va tout autrement avec un baptême en bonne et due forme et des micros grands ouverts pour faire partager les propos des 6 membres d'équipage. Leur leader, Francis Joyon, est bien connu, mais sa principale qualité, on la connaît sans doute moins. Dans la vie courante, Bernard Stamm est son beau-frère, il est donc fort bien placé pour parler de lui. Sa gentillesse. C'est pas forcément un qualificatif que les gens pensent, mais moi c'est ça qui me frappe, sa gentillesse. Il a une voix calme, après c'est plus en termes d'image, je pense que c'est comme il fait, la course au large serait pas ce qu'elle est sans Francis, quoi. Faut-il rappeler l'impressionnant palmarès de Francis Joyon? Pour simplifier, il suffit de dire qu'il a tout gagné, question record en solitaire. Tour du monde, Atlantique Nord, Route de la Découverte, on en passe et des meilleurs. Pour continuer sa marche en avant, le voilà à bord de sa nouvelle monture, qui n'est autre que le trimaran vainqueur des deux dernières éditions de la Route du Rhum. C'est Franck Camas qui l'avait fait naître en 2006. Si on lui demande, comme Franck a demandé à ses architectes, un bateau extrêmement léger, les architectes prennent forcément plus de risques et ça a été le cas à la conception de ce bateau. Bon, ceci dit, il a connu beaucoup d'aventures, beaucoup de mésaventures, beaucoup de succès et ça, les années qui ont passé ont permis de le fiabiliser. Alors c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup la sécurité, oui, il y a une responsabilité qu'on a, qui est beaucoup plus importante quand on est en équipage que quand on est seul. Et d'habitude, j'avais mes petites habitudes au niveau sécurité. Bon, là, j'ai multiplié le coefficient par 10 à peu près, hein, par rapport à ce que je faisais quand j'étais seul. Un skipper de choc, un bateau de choc et pour couronner le tout, un commando de choc. Ils seront seulement 6 à bord contre 13 lors de la campagne victorieuse de 2013. L'Espagnol Alex Pella, vainqueur de la dernière Route du Rhum en classe 40, fait partie des heureux élus. Il n'y a rien de raisonnable. Non, je pense que oui, que ça peut le faire. C'est sûr que c'est différent d'être à 10 qu'à 6 dessus. Les manœuvres, c'est plus lent et il faut avoir conscience de ça. Donc, il faut faire propre, tranquille. Mais je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et le bateau, il va être plus léger, donc plus sain aussi et plus facile aussi à manœuvrer. Je pense que c'est... Moi, j'y crois. C'est une bonne idée, une bonne configuration. Il faut trouver où mettre du curseur, quoi. Voilà, mais ça, c'est autant pour la vitesse même du bateau que pour l'état physique des personnes, quoi. Voilà, tout est important, quoi. Donc, faut que l'ensemble d'équipage soit vigilant. À 6, la bonne gestion de l'équipage va être primordiale puisqu'il n'y aura que 2 personnes à réellement se reposer. Les 4 autres sont soit sur le pont, soit prêtes à manœuvrer. Quant à la durée d'écart, elle va logiquement changer selon la météo et selon la position du bateau sur le parcours. C'est vraiment beaucoup de travail à bord et c'est ça que j'aime bien. 2 personnes minimum dehors, donc un à la barre, l'autre sur les écoutes.
et on envisage un troisième stand-by, quoi. Et Francis, hors-car, stand-by, permanent. Une grande inconnue, Idexport et Spindrift vont-ils s'élancer ensemble? Vont-ils profiter d'une même fenêtre météo? On aimerait que la réponse soit positive, tellement ces deux projets sont presque antinomiques l'un de l'autre. Eux, ils partent à 14, donc c'est vraiment radicalement différent. Et je pense qu'ils vont embarquer plus de voiles, tout est plus complexe dans leur projet. Et je pense que le choix de la simplicité, il est bien aussi, parce que voilà, il y a plein de choses. Déjà, gérer le stand-by, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de gérer ça à 6 personnes qu'à 14. Et puis ouais, un bateau simple, c'est du bon sens, mais le bon sens, souvent, ça marche bien au large, quoi. Ils vont rencontrer les mêmes embûches que nous, quoi. Donc après, ils ont besoin de plus de cohésion parce qu'ils sont plus nombreux. Ils ont besoin d'être autant vigilants que nous, voire plus, pour maîtriser la puissance de leur bateau. Après, ça reste à peu près le même exercice, hein. Je veux dire, c'est ça qui fait un peu le charme de ce genre de projet, c'est que ben, on peut le faire de manière très différente. Le record à battre est connu, 45 jours, 13 heures et 48 minutes. Pour aller le chercher, il va falloir trouver des conditions parfaites malgré un environnement climatique de moins en moins favorable. Il faut avoir un vent, je dirais, assez régulier, assez fort pour battre ses records. Leur corps est très haut et l'état de la mer, ben, on fait avec. Bon, après, il faut éviter les extrêmes où la mer effectivement nous ralentit trop. Mais on va quand même d'abord chercher des vents qui sont de l'ordre de 20 nœuds et plus, quoi. Il y a des pans entiers de la banquise qui se détachent et qui tournent des années entières au niveau des 50e. Et du coup, ça crée effectivement des obstacles glaciaires qu'il n'y avait pas il y a encore 10 ans. Et ça, c'est un danger. Comme tu dis, j'ai connu ça puisque je me suis retrouvé nez à nez avec des icebergs pendant mon précédent tour du monde. Là, on va en équipage, on ne peut pas jouer autant. Il faut tenir compte aussi de la sécurité des gens avec qui on navigue. Donc, on va essayer d'avoir des informations glaciaires. Ça a évolué aussi. On va savoir pour ne pas se faire piéger dans un champ de glace ou être obligé de faire demi-tour, comme c'est déjà arrivé historiquement. J'ai des gens qui ont énormément d'expérience. Donc, bien sûr, on dialoguera. Après, s'il faut prendre une décision pourrie et que c'est 50-50, ben, je préfère la prendre seule. Hein, au moins, je m'en voudrais qu'à moi si ça rate ou si ça réussit. C'est sûr que les records, là, plus ils sont battus, plus ils sont compliqués à battre. Et du coup, ça fait que autant pour le bateau que pour l'équipage, ça devient de plus en plus engagé. Ouais. D'où la nécessité d'essayer de limiter au maximum les erreurs.